Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue aux ateliers cuisine. Aujourd'hui, nous avons deux invités, Alex, Catherine et Sandra. Ce sont nos deux commis du jour et bien sûr moi, Lucette Fourville, votre chef. Nous allons donc préparer aujourd'hui un filet de poulet à la sauce chocolat. Pour ceci, si vous prenez vos stylos, vous avez le temps de noter, je pense. Il nous faudra du filet de poulet. Bien sûr. Du beurre, nous sommes d'accord? De l'huile d'olive, que voici. Des échalotes, que voilà. 5 cl de cognac. Je vais vous montrer comment doser du cognac avec une simple cuillère. C'est pas la peine de vous embêter avec des verres doseurs, etc. Ça prend du temps et puis voilà. Donc, nous aurons aussi du cœur de bouillon. C'est bien ça, ça va. C'est un cœur de bouillon, magie. Qui permet d'agrémenter tous les plats. Oui, 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 voilà. Ensuite, Alex, je t'en prie. Oui, oui, alors là, c'est spécial poêle. Papillote spécial poêle, produit de Nestlé. Exact. Nous aurons aussi du cacao noir, du 100% cacao chocolat dessert de chez Nestlé. Du fond de volaille, produit magique, également de chez Nestlé. Voilà. Donc, c'est une recette assez simple à faire et très facile à réaliser. Alors, pour ceci, je vais d'abord sortir nos filets de poulet. Voilà. Alors, pour ces filets de poulet, nous allons utiliser le spécial poêle au poulet, pour le poulet. D'accord? Donc, je vous explique comment ça marche. C'est très simple et vous allez voir, c'est rapide à utiliser et ben, tout y est. Et le goût aussi. Je t'en prie. Merci Lucette. Voilà. Donc ça veut dire qu'on peut faire ça chez nous après. Mais bien sûr, mais tout. Vous savez, les produits Nestlé que je vais utiliser, ça va vous faciliter la vie. Vraiment, c'est du facile, rapide et bon. N'en doutez surtout pas. Alors. Voilà, donc. Attends, excuse-moi. Okay. Voilà. Donc, nous allons préparer. Le principe est très simple. Vous prenez une feuille de la papillote poêlée, vous mettez comme ceci, d'accord? Vous prenez tous les filets de poulet déjà sur la feuille. Oui, voilà, voilà, toutes les épices sont. On n'a rien à rajouter. Voilà, merci. Oh, merci. Ah, oui. Quel goût qu'on y ai-je. Voilà. Et ensuite, Alex va nous mettre la deuxième feuille. Alex, tu prends la feuille et tu recouvres dessus. Voilà. Facile, voilà. Facile, voilà. Facile. Vous voyez comment c'est facile? Même un homme peut le faire. Ah non. Mais si, voyons. Ah non. Un homme peut le faire. Oui, oui, oui. Alors, on appuie bien pour que le produit soit bien adapté dessus. Voilà. La poêle, elle est déjà sur le feu en préchauffage. Hein, il faut surtout noter que la poêle doit être à feu moyen et à feu vraiment moyen pour que ça ait le temps de mijoter. Alors, donc, moi je mets mon feu à quelle température? 5? 5. 5, c'est parfait. D'accord. C'est ça. Bon, voilà. 5. Et sans s'occuper. Vous déposez vos papillotes sur le feu, comme ceci. Mais ça brûle, si vous savez, le feu ça brûle, mesdames et messieurs. Ça brûle, je vous confirme, c'est chaud. Alors, vous mettez votre papillote ici et vous laissez 8 minutes à feu doux, en train de, ben oui, de cuire, à feu doux. Entre temps, nous, tu peux préparer l'autre aussi? Oui. Oui, tiens, alors. Je te laisse faire. Voilà. Voyons voir comment si Marie a bien compris la leçon. Alex, regarde bien. Si, alors, si. Ouais. Voilà. J'ouvre la feuille. Oui. C'est facile. C'est facile. Je mets mon poulet. Oui. Et je le recouvre avec une voilà. deuxième feuille. Voilà. Tu appuies bien pour que on ça. Voilà. Bien pour que ça s'imprègne. Voilà. Exactement. Voilà. Voilà. Et ben, on fera dans un deuxième temps. Voilà. Donc, ceci étant fait, nous allons préparer les épices pour la sauce. La fameuse sauce chocolat. Alors, pour cette sauce chocolat, nous avons besoin évidemment de chocolat. Donc, nous avons préparé 6 g de cacao en poudre. Vous notez bien, 6 g de cacao en poudre que nous allons mélanger à 15 cl de fond de volaille. Marie, oh Marie, si tu savais. Il est bon. Mais voilà, tu mélanges ici. Ah, voilà. Nestlé en poudre. Je le mélange dans cette sauce. Oui, ça c'est du fond de volaille, voilà. Alors,
Alex. Moi j'ai une idée, moi. Toi, une idée? Ouais, la prochaine fois, je vais inviter soit toi, soit Marie, comme ça. Comme par hasard. Voilà. Nous viendrons couper un bon petit plat. Voilà. Alors, en échange, on veut une petite chanson. Hein. C'est ça. Ben, tu crois que... Oh Marie, si tu savais la, 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 tout la. Mal que l'on fait. Alors, sais-tu ciseler? Je vais essayer. Tu vas essayer. Oui. Il faut que je te montre comment faire. Vas-y. Je vais te montrer. Fais attention parce que ça coupe. Hein. Vas-y, vas-y. J'y vais. Alors, tout simplement. Ben oui, c'est facile. C'est facile, mais fais gaffe parce que ça coupe vraiment. Tu vois, fais très attention à tes doigts. D'accord? Un petit lamelle, hein. C'est... Ouh! Regardez-moi ça! Voyez le travail. Merci Marie. Parfait. C'est un petit peu chaud? Même pas, mais bon. C'est parfait. Et là, ça prend. Oh, c'est... ça commence à... Tu sens? On ça, sent. Ça commence à... Voilà, il y a un léger fumet qui commence à se dégager. Je vais voilà, comme ça. C'est parfait. C'est parfait. D'accord. Voilà, donc Alex, mon commis, m'a ciselé les échalotes. Les échalotes. Les échalotes sont ciselées. Donc on va les mettre ici, voilà. Les échalotes ciselées ici. Maintenant, Marie, on te met en contribution? Mais oui. Mais voilà. Dis-moi. Donc Marie va nous... elle va nous tailler des carottes en mirepoix. Alors, je te montre comment on fait. Je te donne un couteau, ma chérie. Tu vas faire toi-même, non? Mais voilà. Oui. Ah oui. Alors, ah, si tu veux... On est là pour voilà. Apprendre. Ah voilà. Tiens ta carotte. Voilà. Bon, la mienne, elle a déjà un petit... Elle a déjà... Voilà. Donc, attends. On va mettre ça ici. Vous m'excusez deux secondes, mais il nous faut un petit support juste pour gratter. Voilà. On va prendre ça. Voilà. Donc, on enlève la peau. Tiens. On va faire comme ça. Bon, normalement, c'est à l'épluche légumes, mais bon, vous savez, quelquefois, il faut improviser. Et voilà. Le tout, c'est que ça soit fait, n'est-ce pas, Marie? Exactement. Donc, voilà. Moi, j'aime bien vous voir travailler. Eh oui, c'est ça, c'est ça. Tu vois, mais tu vois le macho. Ça, c'est l'homme dans toute sa puissance. Travailler les femmes en cuisine, dit-il. Là, il y a des hommes là qui sont allés isoler, là. Et vous, mesdames, il a un tablier. C'est un homme, comment dit-on? Pardon? Un homme en tablier. Voilà, maman, parfait, magnifique. Je donc, alors, tu tiens. Mais c'est pas moi. Voilà. C'est Lucette. C'est Lucette, encore elle. Pardon. On débarrasse tout ceci, voilà. Ensuite, voilà, nous allons faire, en fait, tailler la carotte en mirepoix. Donc, je te montre comment on fait. Tu fais des lamelles. Attention, ça coupe, hein, Marie. Ouais, ça coupe sérieusement. Ça coupe vraiment, je t'assure. Ouais. Attends, je vais te les fendre, d'accord? Comme ça, voilà. Tu vas me couper les doigts. Hein. Mais, c'est qu'elle a la main sûre. Oui. Oh là là! Tu vois, les femmes savent tout faire. Tu vois, mais si, tu as raison. T'inquiète pas, je vais passer Marie. Si elle a un problème, je vais... Voilà. Oh là! C'est parfait. Donc ensuite, tu fais des petites lamelles comme ceci. Tu vois? Voilà. Alors, je vous rappelle que la mirepoix, c'est un mélange de petites carottes, de carottes bon, et d'oignons. Tu vois, comme ça commence... Le chocolat, c'est pas trop fort? Non, c'est bon. Attends, je vais quand même baisser un peu. Parce qu'il faut... Le principe, c'est que ça ne brûle pas, voilà. Le principe, c'est si qu'on mange à midi. Oh, oui, à midi. Ah oui. Même pas midi, une. Non, moi, je viens à midi. À midi, voilà. Voilà, dit-il. Bon, nous allons essayer de respecter ça. Voilà. Très petit bien. Ensuite, voilà. Morceaux. Des petits morceaux comme ceci. Mais dis donc... Quel bon commis j'ai là, vraiment j'ai de la chance aujourd'hui. Je suis très famille. Bien entourée. J'ai une famille à nourrir. Ah et à bien nourrir. Et à bien nourrir. Ah, tu vois ça. Sinon, il y a un réprimande. Hein. Voilà. Donc voilà, nous avons coupé nos petites carottes en mirepoix. C'est un principe aromatique. Si vous voulez faire des sauces, pardon, j'ai aucune excuse. Si vous voulez faire des sauces, eh ben, vous faites une mirepoix. Ça va donner tout l'arôme à votre sauce. Donc nous allons mélanger ça. Hop. Avec les carottes. En attendant, nous laissons mijoter ben oui, notre petite poêlée qui se fait doucement. Tu vois ça? Ça commence à prendre. Ça commence à prendre, oui. Je vais mettre un petit peu plus fort. Voilà. Et voilà. Ben écoutez, on se donne rendez-vous tout à l'heure quand le filet est prêt. À tout à l'heure. Donc voilà, 16 minutes après, nous voilà avec notre papillote poêlé de poulet, papillote, je précise encore que c'est ce produit que nous avons choisi
car je trouve que c'est le meilleur. Papillotes spécial poil de magie, ce sont des produits Nestlé. Ouais. Voilà, donc nous allons enlever la papillote du four et regardez, regardez comment c'est beau. Ouais, regardez-moi ça. Ça le fait, hein. Wow. Regardez-moi cette beauté. Ouais. Magnifique. Cette pure beauté. Maintenant, Marie, si tu peux nous débarrasser de ceci. Voilà. Voilà. En tout cas, ça sent bon. Hein. Ça sent bon. Et ben, regardez, regardez comment c'est beau. Voyez-vous? Présentez les chats. Les pépins, en fait, vous êtes si beau. Aussi beau que bon, je te rassure. Voilà. Alors, nous, maintenant, nous avons gardé ceci. Alors, nous allons prendre une autre. Non, chérie, il fallait garder la même poêle. Non, non, il ne faut surtout pas laver. Non, je n'ai pas lavé. Alors, vous reprenez la même poêle. Il ne faut surtout pas la laver. C'est afin de garder tous les petits. Voilà, l'aromate de notre poêlée. Alors, nous allons rajouter 20 g de beurre. Attends, quand même. Faut pas que ça grille quand même, tu vois. C'est dommage, ça n'a pas laissé de sauce. Mais ce n'est pas bien grave. Voilà. Alors, nous avons pesé tout à l'heure notre beurre. Donc, nous mettons nos 20 g de beurre dans la poêle. Et comme je vous expliquais, afin de mesurer, ne pas vous embêter à prendre... Vous savez, quand vous mesurez du gras, il faut mettre dans un essai gras, il faut mettre dans des appareils, etc. Non. Sachez qu'une grande cuillère d'huile ou de liquide vous fait 1 centilitre 5. Donc nous avons besoin de 2 centilitres d'huile d'olive. Donc, nous faisons, on va tricher un petit peu, quoi. Hein. Donc, disons, il y a 1 centilitre 5 et donc la moitié d'une. Ça va, c'est ça, hein, Marie? Oui, c'est ça. Oui, voilà. Le compte est bon. Le compte est bon. Donc, nous allons donc faire suer notre mirepoix qui est composé, comme je vous disais, de petites carottes coupées et d'échalotes ciselées. Je vous laisse faire, monsieur, et toi, tu vas mettre les carottes. Hop. Okay. Au travail, mon regard. Allez-y. Oui, tu mets ça dans la poêle. D'accord. Voilà. Je les laisse travailler. Voilà à quoi ça sert des commis. Merci, très cher. Merci beaucoup. Donc, voilà. Nous allons laisser suer. Je rappelle que suer des oignons, c'est les laisser devenir transparents. Il ne faut surtout pas les faire griller parce que là, toute la saveur s'en va. D'accord. Voilà. Donc, tu vois, quand ça donne... Tu as intérêt, madame Catherine, hein? Écoutez bien ce qu'il vous dit, n'hésitez pas à le fouetter en cuisine. Faut surtout c'est pas hésiter. Voilà, alors Marie, tu vois la jolie couleur que ça prend, donc oui. On laisse suer tranquillement. Ensuite, quand on aura bien fait suer ces petits oignons, etc., nous allons déglacer au cognac. J'ai dit déglacer, j'ai pas dit nous allons baigner les oignons au cognac. On boit un petit coup avant. <C'est> pas... On peut aussi, hein. On peut aussi. Mais on risque peut-être de se tromper dans les doses. Alors Marie, comme je viens d'expliquer aux téléspectateurs, pour quantifier sans support des centilitres, surtout si on a besoin d'une petite quantité. Mm-hmm. Donc si une grande cuillère fait 1 centilitre 5, il nous faut 5 centilitres de cognac. Donc, ça fera 2 cuillères et demie. C'est ça. On va dire 3. Allez, on met 3. On va mettre 3 cuillères. Hein? Mais ce sera pas 3 cuillères. Voyez-vous. Oh, n'est-ce pas? On mettra 3 cuillères. Le feu n'est pas. On l'ouvre, hein? Oui, on l'ouvre. Hein? On goûte et on peut goûter avant. Et j'ai ouvert. Eh ben, elle est là. Sentez-vous ça, ça sent. Ça donne envie. Mmh, ça sent bon. Mmh, c'est parfumé, tu vois. Mmh. C'est très parfumé. Donc, alors, ça sue. Ça prend du temps pour chauffer, hein? Ah, voilà. Non, oui. C'est bon. Non, c'est non, bon. C'est bon, c'est bon. En fait, c'est le principe, je voilà. Je peux faire le rôle du goûteur. Je vais goûter. Alors, attends, tu veux pas être le prépareur et le goûteur voilà, et le dégusteur? Non, non. Dégusteur. Voilà, donc, notre petite mirepoix est en train de suer tranquillement, voyez-vous, voilà. Tu ça sens les parfums bon. Ça commence, hein? Tu sens les parfums qui se dégagent? Ça sent très bon. Ah oui, voilà. Ça sent bon. Donc, Marie, si tu peux nous sortir un petit cœur de... Un petit cœur de bouillon. Oui, ail persil, c'est pas ail persil. Ah, persil, voilà, parfait. Donc, voilà.
Voilà, donc voyez-vous, voilà, nos oignons ont sué, voyez, regardez. Ils sont devenus translucides, comme je vous disais. Translucides, c'est très important. Hein? Tu sens que le fumet que ça dégage. Ça sent bon. Voilà, ça sent bon. Je l'ouvre, on le met dedans ? Non. Non, pas tout de suite. Voilà, tu me le prépares. Alors, nous parlions de déglaçage. Déglacer une sauce lui permet de décoller les sucres et d'arrondir toutes les saveurs. D'accord. Chérie, je veux ça pour mon anniversaire. Alors, Marie, je t'en prie. Merci. Voilà, vas-y. Mmh. Vous voyez ce que ça fait, ça frémit. Deux et trois. Et ouh. Toi. Ouh là, elle a là, mais là, on voit les connaisseurs. On voit les connaisseurs. Ça ne sera que meilleur, Lucette. Eh bien, oui, à moins que. Après, on va se mettre à danser. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ceci, on va. Oh, ça sent bon. Mmh. On va rajouter le fond de volaille mélangé avec le cacao. Donc, je rappelle que c'est 15 centilitres de fond de volaille produit magie, voyez-vous, fond de volaille magie. Et 6 grammes, 6 ou 7, hein, selon vous, de cacao dessert Nestlé. D'accord ? C'est du cacao en poudre. Donc, on mélange le tout. Pourquoi ça s'éteint ? Pourquoi ? Voilà. Et on verse sur notre mirepoix. Voilà. Ensuite, on rajoute le cœur de bouillon ail persil. Non, c'est ça, c'est bien ça. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est ça. Voilà. Tu veux, il te faut une cuillère ? Tiens, vas-y. Essayer avec la cuillère. On mélange ? Voilà, on mélange. Je te laisse reprendre la main. Merci. Tiens, hâte de goûter. Dit-il. Je vous rappelle. J'imagine le goût dans ma tête. Chers téléspectateurs, je vous rappelle que tous ces produits sont déjà salés. Donc, il n'est vraiment pas la peine de rajouter du sel ou du poivre. C'est fait exprès, c'est dosé. Vous ne pouvez pas vous tromper. Et surtout, vous ne pouvez pas rater un plat en utilisant ces produits. N'est-ce pas, Marie ? Ça, c'est une bonne chose. On ne peut pas rater. Non, ils sont irratables. Alors, avec un petit peu. Avec une main particulière, c'est encore meilleur. Un savoir-faire en plus. Un savoir-faire, voilà. Donc, ça a l'air bizarre. Vous allez me dire, oh, le poulet, le chocolat. Vous savez, il faut savoir danser avec les instruments. Moi, avant, j'étais danseuse. Mais comme je ne peux plus, pour des causes physiques, alors je danse avec les arômes, je danse avec la magie, oh, je joli, danse avec ça. Le cacao. C'est tu joli, tu danses avec Nestlé. Avec Nestlé. On va dire ça, voilà. Donc alors, est-ce que vous voulez goûter, juste pour avoir une petite idée ? Tiens. Aïe. C'est chaud. Excellent. Je t'en prie. Excellent. Tu te lances ? Mais moi, je veux savoir. Moi, je fais comme ça. Je savais pas comment fallait faire, donc... Oh, ouais. C'est bon, hein? Je me rince les mains. Mais si c'est bon, attends. Attends, ça va être encore meilleur tout à l'heure. Tu sens le cacao? Très bon. On sent bien le cacao. On sent bien le cacao. Et notre feu, là, j'ai un problème avec ça. Ouais. Il n'est pas qu'à chauffer. C'est ce que j'allais te dire. Est-ce que tu On met ça à 8? Si, regarde, ça bouge. Ben oui, bien ça, sûr. Ça bouge? Ouais, ouais, voilà. Voilà. Voilà, il faut faire... Alors, il faut prendre le bouillon pour que ça passe corps. Je trouve qu'on s'est passé le chocolat. Non. Ben, on rajoute un peu de chocolat. Donc, comme je vous disais... Le chocolat, c'est selon le goût et les humeurs. Vous pouvez être aujourd'hui d'une humeur cacao, et donc vous voulez très cacao, et d'une humeur très peu cacao, et avec très peu de cacao. Aujourd'hui, on est d'une humeur comment ? Plus cacao. Plus cacao. Plus donc, cacao. Si on en rajoute un petit peu. On en rajoute un petit peu, je suis d'accord avec toi. Donc, allez. Si vous voulez rajouter du cacao, tiens, on va prendre ça. Il faut faire attention parce que le cacao, c'est quand même assez fort en goût. Donc, vous prenez une petite cuillère. Voilà, et tu saupoudres. Ah, tu vois ? Oui, sinon ça fera des grumeaux. D'accord. Et ça, voilà. Voilà. Stop ? Non, ça change, stop. Hein. Stop. Ouais. Ici. On va goûter maintenant pour voir. Oh là là ! C'est meilleur. Goûte-moi ça. Ben oui, en cuisine c'est comme ça. Il faut surtout goûter. Goûte. Ah oui, ça change. Hein, tout. Ça change, voilà. Un tout petit peu plus et. Encore du cacao. Ouais, un petit peu. C'est bien là. Un petit peu encore. Encore ? Un petit peu encore. Un petit peu encore. Oh, bravo. Eh bien, voyez-vous, on fait la cuisine ensemble finalement. Et puis, c'est une histoire de chacun famille. Chacun apporte sa petite touche. Voilà, sa petite touche. Voilà, tiens. Voilà, un petit peu encore, tu dis ? On trouve que c'est meilleur.
Attends. À plusieurs, c'est meilleur. Attends, attends. Ah, oui. Hop, voilà, ça devrait suffire. Voyez-vous ? Alors, ce qui est bien avec le cacao, c'est qu'il épaissit votre sauce. À partir de ce moment-là, voilà, votre sauce, elle commence à bouillir. Vous laissez bouillir encore 5 minutes. Et ensuite, nous allons rajouter la crème liquide afin d'harmoniser le tout et d'adoucir, de le rendre plus doux. La sauce sera plus douce. Mmh. Ah. Ça me parle. Ça te parle ? Ouais. Voilà. Vous sentez cette odeur de cacao ? Mmh. Tu sens, tu sens l'odeur du cacao ? Voilà. Et maintenant, on rajoute les 20 centilitres de crème. Voilà. Pour lier le tout, vous savez, en fait, oui, ça sert de liaison et ça homogénéise, c'est ça ? Oui. Homogénéise. Voilà. Homogénéise la sauce. Elle aura un goût velouté si vous voulez. Voilà. Donc c'est selon le goût. Moi je dis 20 centilitres, ça peut être 15, selon vous. En tout cas, ne te trompe pas parce que j'ai faim. Me tromper ? Oh, ai-je l'air de ne pas savoir ce que je fais ? Non. Donc ensuite, voilà, notre petit poulet. Eh bien, nous retournons à notre petit poulet que nous allons mettre dans la sauce. Dans la sauce. Voilà, pour parfaire l'harmonie de tout. Mmh. Et on ne perd rien, pas de gaspillage, c'est très important. Et nous laissons mijoter 5 minutes et on se revoit tout à l'heure. Tentez de gagner une machine Nescafé Dolce Gusto. Pour participer, rien de plus simple. Rendez-vous sur la page Facebook Nestlé Antiguyane et répondez à la question suivante. Combien de grammes de cacao Nestlé faut-il pour préparer la sauce du plat du jour ? Bonne chance ! Et bien voilà, donc après nos 5 minutes de mijotage, puis-je dire, nous allons enlever le filet et le mettre dans une assiette. Voilà. Ensuite, il faut que nous tamisions la sauce. Normalement, voilà. Marie, tu t'en charges ? Oui. Voilà. Voilà. Voilà, donc je... Voilà, c'est bon. C'est bon. Bien. Hop. Voilà. Je laisse oui, dedans ? Oui, oui, tu peux laisser. Voilà. Voilà. Donc, nous allons effectuer le dressage. Pour faire ce dressage, alors moi, je vous ai préparé un petit riz au coco parce que je trouve que c'est l'élément parfait, l'alliance parfaite. Le riz, le coco et ce petit chocolat, cette petite sauce chocolat, je crois que ça devrait plaire à vos papilles. D'accord, je te fais confiance. Voilà. Donc, Marie, si tu peux te charger de faire notre oui. petit dressage. Alors, je rappelle, tu rappelles ce qu'il faut alors, faire alors, je rappelle qu'il est indispensable de mettre un peu d'eau au fond du ramequin pour éviter que le riz colle et se démoule beaucoup mieux. Donc, je l'ai déjà passé sous l'eau au préalable. Je le remplis avec le riz. En tout cas, je vais vous dire si c'est bon. Hein. Je vais vous dire plus tard. Voilà. Et je le mets dans cette assiette. C'est dans cette assiette qu'on va faire le dressage. Voilà, oui. Tu as bien tassé, voilà. Tu poses le riz ici. Hop. Oh, hop. Voilà. Ensuite, comme il faut des couleurs, et c'est joli les couleurs, nous avons fait préparer des petites carottes pré-cuites à l'eau. Et nous allons les placer en rosace. Tu leur montres comment on fait, oui. Marie ? On va les mettre en rosace comme ceci. Sur le dessus. Tu fais les cheveux. Voilà, tu fais les cheveux aussi. Voilà. Voilà. Carottes. Voilà. Voilà. Hop, voilà. Les carottes en rosace. Aïe, aïe, aïe. Ensuite. Pardon. Nous avons coupé le poulet afin de faire des aiguillettes de poulet. Que nous plaçons comme ceci, pardon. Que nous plaçons comme ceci dans l'assiette. Lève les mains. Nous allons mettre ici des petites feuilles. Un peu de couleur, un peu de gaieté, des petits arbres par-ci, par-là, ça fait joli, dans le fond de l'assiette. Attendez.
un petit peu de verdure. Voilà. Comme ceci. Alors, le plus important, il faut surtout que l'assiette soit très propre, voyez-vous. Sinon, ça ne fait pas très joli. Alors, tout ceci, les petites taches que vous avez là, on les enlève. Alors, je vous signale que pour enlever le gras, vous pouvez mouiller votre petit papier avec... Vous pouvez mouiller votre petit papier avec du vinaigre. Alors, pour la sauce, il me faut une cuillère. Oh là là, mais voilà. Les chefs s'excitent et quelquefois, ils font n'importe quoi. Ah oui, là, c'est l'heure de manger, là. Hein? Alex a faim, Michel, dépêche-toi, Alex a faim. Donc, la sauce, ben écoutez, vous mettez un peu de sauce ici. Je te pardonne parce que je sais que tu l'as fait avec amour. Oh, comme c'est bien dit, voilà. Et voilà, votre assiette est propre, est prête. Tu es prêt pour la dégustation? Ben oui, je suis prêt, moi. Alors si vous voulez, bon, maintenant, vous pouvez mettre des petites, un petit peu de cacao, mais faut pas trop charger l'assiette parce que ça fait pas très joli. Ça te plaît? Oui, c'est très beau. Très beau, ça sent envie. Bon, ça donne envie. Voilà, et bien écoutez, ben Alex, nous allons te laisser déguster tout ça. Ben oui, hein? Bien sûr. Et surtout, tu sais, je dis ça tout le temps, quand vous cuisinez chez vous, pour savoir si vous demandez à quelqu'un si c'est bien ou c'est bon, ne laissez-le parler, laissez-le faire. Quand il a fait ça, il a tout dit. On va voir. On va le regarder. On regarde. Bon appétit, Alex. Je vais goûter. Aïe, 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 qu'est-ce qu'il va faire? Ça c'est le riz au coco. Le riz au coco avec la sauce chocolat. Le mélange, ça te plaît? Alors là, sur 10, c'est nickel, 10. Eh bien nous voilà donc rassurés. On va goûter le poulet. Parce que moi je ne mens pas. Tu vois, la cuisson est parfaite. Tu n'as bien de sauce et tout pour bien ressentir. Voilà. Je te demande un mariage. Ah. Eh bien, mon époux, voyez, tu vois ça? Ah, la place est déjà prise, Alex. Et puis, madame Catherine ne sera pas trop contente. Madame, venez cuisiner chez moi. Je vais vous apprendre à cuisiner. Et sachez aussi, ben, j'en profite, Marie et Alex, pour vous dire que je fais aussi de la cuisine à domicile, de la gastronomie à domicile. Alors, si par exemple, tu veux recevoir des invités, voilà. Ça, c'est intéressant. Tu peux aussi également donner des petits cours de cuisine. Bon. C'est très bon. Moi, je vais t'inviter. Et bien voilà, ben alors la prochaine fois, merci Alex pour ta participation. Merci, c'était un bon moment à partager. Voilà. Et bien voilà, ben, alors Alex, le dernier mot? Ben, je fais un petit coucou au monde entier qui nous regarde. Oui. Et puis merci de m'avoir invité. C'est moi qui te remercie, Alex. On finit pas d'apprendre. Eh bien tu vois, ben, comme quoi, la gastronomie créole, laquelle existe, là voilà. Exactement. Merci à tous et bien je vous donne rendez-vous à la prochaine séance des ateliers. Oui, bien sûr. Les ateliers cuisine. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Mettre le filet de poulet dans la papillote. Laissez cuire la papillote à feu doux 8 minutes. Mélangez 6 g de cacao à 15 cl de fond de volaille. Ciselez les oignons. Taillez les carottes en mirepoix. Rajoutez 20 g de beurre dans la poêle. Rajoutez 2 cl d'huile d'olive. Faire suer les oignons, les rendre transparents. Déglacez la sauce avec 5 cl de cognac. Rajoutez le fond de volaille mélangé au cacao. Rajoutez le cœur de bouillon, ail, persil. Saupoudrez la sauce avec du cacao pour épaissir la sauce. Rajoutez les 20 cl de crème. Mettre le poulet dans la sauce et laisser mijoter 5 minutes. Tamisez la sauce. Accompagnez par exemple avec du riz coco. Faire le dressage de l'assiette